Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Donc je suis ici, vous me voyez à travers la glace. Je vais vous faire une petite vidéo vis-à-vis de ma make-up room tour. En fait un peu mon organisation de tous les jours. Donc voilà, cette vidéo c'est plus pour vous montrer comment vous pouvez vous organiser vous aussi à la maison pour ranger un petit peu votre maquillage. Si votre amoureux bien sûr le permet dans la chambre. Bon moi j'ai une toute petite chambre que je vous montrerai après. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour faire mon rangement make-up. Mais voilà, j'ai fait le mien, mon petit rangement. Donc en premier je vais vous parler de mon meuble que j'ai acheté en fait. Et comment je me suis organisée pour le mettre. Donc en fait là ce que vous voyez ici, juste là, ça va être... un bureau en fait, c'est un bureau tout simple. Je vous montre un petit peu plus de loin. C'est un bureau vraiment tout simple. Et le problème a été que quand j'ai été chez Ikea, je n'ai pas eu en fait ce que je voulais. Il n'y avait plus l'article disponible. Donc je me suis rabattue sur ça. Parce que je ne voulais pas acheter la coiffeuse que proposait Ikea. Parce que beaucoup de filles se sont plaintes du tiroir qu'on ouvrait très mal. Pour le coup, vu que je n'avais très peu d'organisation, enfin très peu de rangement dans ce bureau... j'ai acheté une petite tour que vous voyez là, qui a roulette et qu'on peut mettre du côté qu'on voulait. Je l'ai mis de ce côté pour la facilité d'ouvrir mes tiroirs parce que vous allez voir que mon lit n'est pas très loin de ma coiffeuse. Donc voilà, alors le petit bureau que vous voyez juste ici, je l'ai payé 39,90€ chez Ikea. Donc ça fait vraiment pas cher. Par contre, ce petit rangement que vous voyez là, je l'ai payé un petit peu plus cher. Il est à 49,90€. Donc ici en fait j'ai installé un miroir juste là qui m'a coûté seulement 19€. Tout ça j'ai acheté tout sur Ikea hein, de toute manière, voilà. Et ainsi que ici deux petites lampes toujours chez Ikea à 15,99€ l'unité. Donc ces petites lampes en fait comme vous voyez elles sont orientables. Le seul souci que je peux leur reprocher c'est qu'en fait elles ont une lumière qui n'est pas blanche. Donc attention quand vous vous maquillez avec. Cependant, moi généralement je me maquille le matin ou si le soir, enfin je m'arrange toujours. Donc voilà, après autour de mon miroir comme vous voyez il y a une petite lumière violette. Et là tout simplement j'ai collé des petites lampes, des lampes LED que j'ai trouvées à Leroy Merlin, je crois pour une 20aine d'euros. Donc ce que vous voyez, on va commencer par le dessus de mon rangement make-up. Ici vous avez des petits pots que vous avez dû revoir chez de nombreuses youtubeuses. Donc c'est des cache-pots en fait normalement pour... ben pour les plantes. Et ces cache-pots ils valent 2,50€. Donc ce qui permet en fait de faire un rangement pour Bella, pour les pinceaux pour le coup. Vous voyez également ici un rangement vernis que j'ai trouvé chez Peggy Sage pour une 15aine d'euros je pense. Et là ça je l'ai trouvé chez Carrefour. C'est un rangement, une petite tour maquillage avec des petits tiroirs que je vous montrerai bien sûr après. Et celui-ci je l'ai trouvé aussi pour une 15aine d'euros. Alors on va s'attarder sur mon premier pot à pinceau. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un pot normalement cache-fleur pour ben voilà, les plantes. Ce que vous voyez à l'intérieur, c'est que j'ai mis des petits cristaux en fait. J'ai eu ça dans un endroit de décoration pour en fait faire tenir, comme vous voyez, mes pinceaux tout droit dans mon pot. Donc au niveau des pinceaux, moi je possède pas beaucoup de maquillage contrairement à certaines youtubeuses. C'est mon maquillage plutôt que j'ai eu pour mes études ou également en fait de petits nouveaux pinceaux parce que j'ai envie aussi de me faire plaisir, je suis comme tout le monde. Donc voilà, au niveau des marques que je possède, ben je possède toujours à peu près les mêmes marques. De toute manière je suis fidèle souvent aux mêmes marques et je suis fidèle notamment à la marque Makeup Forever. Avec leur gamme, alors cette gamme je l'ai eue il y a au moins 2 ans, maintenant ils ne sont plus pareils et voilà, j'avais acheté un kit pinceau, donc voilà. Ensuite j'ai aussi des pinceaux pardon, Real Techniques, notamment celui-ci qui est très bien pour faire fondre le maquillage, les fards. Également vous allez voir un peu, j'ai un Sephora. Alors ça c'est un pinceau que j'ai eu bien avant mes études d'esthétique, ça fait un bon moment que je l'ai, je crois que je l'avais eu en cadeau par Sephora. Des également pinceaux My Little Beauty que je recommande pas forcément, que j'avais eu dans My Little Box, j'étais très contente. Et mon dernier pinceau ELF pour enlever l'excédent de fard sur qu'on peut faire tomber en fait en faisant un fard, en se maquillant les yeux, je n'arrive pas à trouver mes mots.
Donc voilà, pour ce qui est des autres pinceaux, que j'en ai également d'autres, de chez Urban Decay notamment, que j'ai eu dans les palettes, ceux-ci je les laisse ranger dans mes palettes quand je pars en vacances. Donc voici mon second pot, toujours à l'intérieur des petits cristaux qui permettent de faire tenir mes pinceaux, sauf que les pinceaux Real Techniques ne sont pas très fins au bout, et justement comme je l'avais dit, ils permettent en fait de tenir debout quand on n'a pas de rangement make-up. Comme vous voyez là, ici en fait c'est mon pot à pinceau pour le teint, donc toujours là les marques que je possède, du Real Techniques, du Make Up Forever, j'ai un pinceau fond de teint Peggy Sage également, et aussi mon dernier ELF que j'ai acheté pour comparer avec le Stippling Brush également de chez Real Techniques. Voilà, et là ici, mon petit pinceau Kabuki, sinon je le perds là-dedans, je l'ai posé sur ma petite tour à maquillage. Donc ici c'est ma glace grossissante hein, qui est pleine de traces. Alors cette glace, je peux même pas vous dire le prix. Je sais que c'est la marque Babyliss, mais je l'ai depuis au moins le collège, donc ça fait vraiment très longtemps. Donc on continue la vidéo avec la petite tour que j'ai eue chez Carrefour pour une quinzaine d'euros. Cette tour en fait c'est là où je mets mon maquillage que je me sers très souvent, et notamment les indispensables un petit peu make-up. Sur le dessus, comme vous pouvez voir, alors sur le dessus ici c'est le côté un petit peu où il y a mes blushs que je me sers en ce moment, la crème que je mets des fois avant de faire d'appliquer un maquillage, encore du blush, base fard à paupières, traitement pour les cils, c'est du soin là qu'il y a. Ici généralement je mets les mascaras crayons pour les yeux, également illuminateur, professionnel pour matifier. Encore un crayon qui est là. Du rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Pour mes sourcils. Et encore rouge à lèvres. En fait, là, il y a un petit peu vraiment tout mélangé. Mais ça me permet en fait d'attraper plus facilement et de pas chercher. Voilà, j'ai tout à portée de main. Et pour ici, alors en fait, là, c'est mon rangement plutôt teint, base, highlighter, etc. En fait, anti-cerne. Ici, c'est tout pour le teint, mis à part le fond de teint. Là, ici, ce que vous allez voir, ça va être tous mes crayons, donc, et également les petites poudres ou un fard crème, parce que je suis pas très fard crème, vous verrez. Et voilà, donc là, j'ai un peu de tout en couleur, etc., et en marques différentes. Et ici, vous allez voir tout ce qui est, en fait, eyeliner, et pour les sourcils, donc, en fait, eyeliner crème, gel, cake, feutre, liquide, pinceau, enfin bon, voilà. À peu près tous mes eyeliners. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un petit pot en fait qui est incrusté dans mon bureau. Je vous explique pourquoi. Normalement c'est un bureau normal, c'était l'endroit où passaient les câbles pour un ordinateur ou etc. Moi j'ai mis un bougeoir et j'y mets mes cotons à l'intérieur. Bon, des petits échantillons, une barrette. Et là on arrive en fait sur mon rangement vernis, une partie de mes vernis est ce que je me sers le plus souvent. Et rangé ici, vous allez trouver du soin. Ici, c'est des petits rangements, des petits casiers pour pouvoir mettre des pieds de biche, ce qui permet de me faire le nail art. Derrière, vous trouverez tout ce qui est lime à ongles, etc. Patch pour de déco. Là, du soin, le pelissage et à partir de là, du vernis. Donc au niveau des vernis, j'ai vraiment de tout. J'ai pas forcément... J'ai du bas de gamme, du haut de gamme, enfin j'ai vraiment un peu de tout. Mais mes préférés resteront quand même les essies. Donc voici mon premier tiroir. Sur mon premier tiroir, alors ça a été un peu compliqué, j'avais acheté ça à l'époque et au final j'ai pas forcément plus de place pour le mettre dessus. C'était, on mettait ces rouges à lèvres dedans. Et si je mets mes rouges à lèvres là maintenant dedans, je peux pas fermer mon tiroir. Donc je mets vraiment les miniatures, les petites miniatures de rouge à lèvres. Ici c'est le fixateur de rouge à lèvres que je range. Là, vous allez voir, il y a aussi des casiers, comme vous voyez ici, en plastique. Ouf. Et celui-là, je l'avais eu, je sais pas, dans une boîte ou comme ça, enfin, chez Ikea. Sauf que je voulais ranger, faire un tiroir exprès pour mes rouges à lèvres. Je l'ai rangé là, mais c'est pas forcément très pratique parce que certains peuvent tomber, comme vous voyez, sur le côté. Plus loin ici, vous allez avoir des jumbo, toujours des petits rouges à lèvres, palettes de rouges à lèvres. Ça c'est pas mal, c'est baiser soufflé de chez Lush, ça permet de faire un gommage pour les lèvres, c'est assez sympa. Et ici en fait j'ai mis un bas d'une boîte My Little Box. Et dedans j'y range tout ce qui est Carmex,
tout ce qui est gloss, crayon pour les lèvres, échantillons, miniatures. On continue toujours la visite avec mon deuxième tiroir. Alors mon deuxième tiroir est composé que de boîtes en fait. C'est là, ici, où je range tous mes mascaras d'avance, ou les mascaras que je souhaite tester. Cette barrette, je la cherchais partout, je suis très contente, je viens de la retrouver. Donc en ce moment, je ne me sers pas trop de ce tiroir. C'est le tiroir où il y a mes produits d'avance, c'est le tiroir où il y a les fossiles sur le côté, du Make Up For Ever, du ELF et du Réserve Naturelle. Ici, c'est une petite boîte où je range les tailles crayons pour les différentes tailles de crayons en fait. Des petites miniatures parfum et encore du coton d'avance. On passe au second tiroir. Alors le second tiroir, ça va être plus les gros produits en fait, parce que le tiroir est plus profond. Ici vous allez trouver en fait des petites boîtes qui sont empilées. Je vous les montrerai après, je peux les enlever en fait, c'est des boîtes modulables. Donc au fond, c'est tout ce qui concerne les mains, crème pour les mains, dissolvant, etc. Vu que c'est des grosses bouteilles, je les mettais pas dessus sur mon bureau. Ici, vous allez voir tout ce qui est désinfectant, nettoyant pour pinceau. Ici, tout ce qui est base. Et ici, tout ce qui est fond de teint. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, ça va être tout ce qui est éponge pour le fond de teint et également pour appliquer les poudres. Là, ici, je vais avoir tout ce qui est poudre libre, généralement un peu de poudre compacte, également un blush où je ne savais pas le ranger. Et en fait, sur le côté, je viens rempiler d'autres rangements qui me permettent en fait ce mélange de blush. Donc ici vous allez retrouver tout ce qui est mes blush poudre, crème et gel également. Et là tout ce qui va être des poudres de soleil et de fond de teint également. Pour ce qui est du dernier tiroir, c'est mon tiroir un peu échantillon. Donc en fait vous avez des parfums que j'avais eu lors de démonstration. Et également tous les échantillons que j'ai d'avance dont je ne me sers pas. C'est le tiroir un peu fourre-tout. Pour ce qui est de ce tiroir, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop épais, il est assez plat, donc je lui mets toutes mes palettes, ou également, ça c'est des petits kits, d'autres palettes, mes trousses que quand je pars en voyage, je mets mes pinceaux dessus, et là également encore d'autres palettes. C'est vraiment le tiroir pour tout ce qui est plat et fin, donc c'est pas mal, c'est bien rangé, on l'a à portée de main. Donc comme je vous ai dit en dessous en fait, j'ai pas la place de tout ranger. Vous avez également en fait ma mallette pour tout ce qui est vernis semi-permanent. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ma make-up room. Je vais vous montrer vite fait ma chambre pour vous montrer que vraiment je suis obligée de tout condenser ici. Si le rangement de mes soins vous intéresse, également tout ce que comment j'organise ma salle de bain au niveau de mes soins, n'hésitez pas à me laisser par commentaire. Je vous montrerai un petit peu mon organisation. Donc voici en fait ma petite coiffeuse dans ma chambre, voilà. Comme vous pouvez voir ma chambre, elle n'a vraiment pas de place, j'ai vraiment la place de mettre que ça. Et voilà qu'on est déjà à la sortie. Donc ici aussi vous verrez que j'ai d'autres rangements dans cette boîte Sephora, des produits que je me sers beaucoup moins, qui sont rangés ici. Et si ça vous intéresse de voir comment j'ai rangé mon meuble soin de ma salle de bain, n'hésitez pas, laissez-le moi en commentaire et je vous ferai également une vidéo. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et à bientôt les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.